Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour voir comment transférer les messages WhatsApp d'un appareil Android vers un appareil iOS. Comme dit précédemment, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour voir comment transférer et sauvegarder les données de l'application WhatsApp, que ce soit sur un appareil Android ou un appareil iOS. Dans cette vidéo, nous allons explorer le logiciel Outeki WhatsMover qui permet de transférer très facilement les données WhatsApp entre un appareil Android et un appareil iOS et inversement. Le logiciel permet aussi, comme on le verra, de sauvegarder les données WhatsApp d'un appareil Android ou iOS sur un Mac ou un PC et de restaurer les données WhatsApp d'un smartphone à un autre sans limitation particulière. Le logiciel vous permet aussi de sauvegarder les données incluses dans les conversations, c'est-à-dire les images, les vidéos et autres types de pièces jointes qui pourraient être liées à une conversation. En prime, le logiciel propose aussi de réaliser des sauvegardes et des restaurations des données WhatsApp depuis Google Drive. Voilà pour les présentations rapides de Outeki WhatsMover. Ce qu'on se propose maintenant, c'est de réaliser une petite démonstration du logiciel. A savoir qu'ici, la démonstration est réalisée sur macOS, mais le logiciel fonctionne aussi sur PC. Pour réaliser cette démonstration, on a donc le logiciel WhatsMover d'ouvert ici à gauche, et on a deux smartphones de connectés, un appareil Android ici, ainsi que un iPhone sur lequel WhatsApp est déjà configuré. L'objectif dans cette vidéo va être de transférer les données WhatsApp présentes sur l'iPhone, sur l'appareil Android. Ici, on a une conversation de test que l'on va donc vouloir transférer sur l'appareil Android. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de connecter votre iPhone à WhatsMover en le connectant à votre ordinateur via un câble Lightning par exemple. Pour procéder au transfert de données, deux options sont possibles. La première est de venir cliquer sur le second onglet Sauvegarder WhatsApp et de sélectionner l'iPhone que vous venez de connecter et cliquer sur le bouton Sauvegarder. Sélectionnez WhatsApp Messenger. WhatsMover va analyser le contenu de l'application WhatsApp installée au sein de l'iPhone et sauvegarder les données. Ici, la sauvegarde est réalisée assez rapidement car il n'y a qu'un seul message de démonstration au sein de l'application. Une fois la sauvegarde terminée, on peut cliquer sur le bouton ci-dessous Terminer. Une fois la sauvegarde réalisée, on peut se rendre sur le troisième onglet Restaurer et exporter des sauvegardes WhatsApp. Ici, on va retrouver la sauvegarde précédemment effectuée et on peut venir cliquer sur Restaurer sur l'appareil. Et WhatsMover va vous proposer de voir quelles sont les données que vous souhaitez restaurer sur le nouvel appareil. On retrouve bien la conversation précédemment visualisée au sein de l'application WhatsApp sur iOS, conversation qui sera donc transférée sur le smartphone Android, qui lui aussi est connecté à l'ordinateur. On peut venir cliquer sur « Suivant » et sélectionner l'appareil de destination sur lequel on souhaite restaurer la sauvegarde WhatsApp. On pourrait le restaurer sur le même device. Ici, on va sélectionner l'appareil Android, puis cliquer sur « Restauration ». Lors de la première étape, WhatsMover va installer une application WhatsApp sur l'appareil Android. Il faudra veiller à lui donner les autorisations à accéder au stockage de votre appareil en vous rendant dans les paramètres Android. Une fois que l'autorisation est donnée, vous pouvez cliquer sur le bouton Continuer. WhatsMover est en train de copier les données de la sauvegarde sur l'appareil Android. Et voilà, en quelques secondes, l'ensemble des données WhatsApp ont été restaurées sur l'appareil Android. On a donc fait une migration des données de WhatsApp depuis l'appareil iOS sur le nouveau smartphone Android. A noter qu'ici, on a fait un transfert d'iOS vers Android, mais la manipulation inverse aurait tout à fait été envisageable. On peut venir cliquer sur Terminer. Il suffit maintenant sur l'appareil Android de venir se reconnecter à l'application WhatsApp. Après reconnexion, on peut voir que la conversation a bien été transférée sur l'appareil Android. WhatsMover fonctionne donc parfaitement pour sauvegarder les données WhatsApp, les restaurer sur un autre appareil ou bien les restaurer sur le même appareil. Pour cette vidéo et dans la démonstration, la manipulation a été réalisée en deux étapes. Dans un premier temps, nous avons utilisé le menu de sauvegarde, puis nous avons restauré cette sauvegarde au travers du troisième onglet. Il est possible, via le premier menu, de réaliser tout cela en un seul clic avec le bouton Transférer. Vous pourrez donc, par exemple, transférer les données de l'appareil iOS sur l'appareil Android en une seule étape. Voilà, c'en est tout pour la prise en main de WhatsMover. Si vous souhaitez en savoir plus, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.